ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم، كما جمعنا في هذه الساعة المباركة الخيرة الطيبة النيرة، أن يجعلنا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. إخواني، اليوم يوم عطلة، وفي إخوة كثيرون في الخارج، حاولوا تقدموا الله يجزاكم خير. Just avant qu'on commence, Inch'Allah, essayez d'avancer. Il y a beaucoup de places qui sont libres au milieu, essayez de vous serrer le maximum. Parce qu'il y a des personnes âgées qui sont derrière, il y a des gens qui sont malades et qui ne peuvent pas se tenir debout pendant tout le sermon. Essayez de penser à eux. Et d'ailleurs, ça fait partie du sujet du sermon de vendredi aujourd'hui, qui est Ar-Rahma bi al-Mu'minin wa Ar-Rahma bi Ikhwanikum. Donc, هذا ما يتعلق أو تدور حوله خطبة اليوم. إذن الخطبة اليوم أيها الإخوة، اخترت هذا العنوان وهذا الموضوع لأننا نحتاجه اليوم، نحتاجه في حياتنا اليومية مع أبنائنا، مع آبائنا، مع الغير، مع المسلمين، مع غير المسلمين، مع مخلوقات الله عز وجل، حتى مع الحيوانات ومع أي مخلوق خلقه الله عز وجل. Le sujet d'aujourd'hui, ça nous concerne tous, et parce que on doit faire attention pour ne pas avoir cette maladie. C'est une maladie qui peut atteindre les cœurs, et cette maladie qui est très répandue aujourd'hui. Et donc il faut absolument qu'on trouve la solution. Il faut absolument qu'aujourd'hui, ceux et celles qui sont présents et présentes aujourd'hui prennent la décision ou les dispositifs pour dire il faut absolument que je m'éloigne de cette maladie. Reste tout le monde dans le jour, ayoua l'ikhwa, atlob l'ikhwa, wa l'akhawat an yu'iru ni l'asma' wa l'kulub, an takuna bi qalbi, wa an ta'khud hada al-amr bi mahmali min al-jid. ونحاول ما أمكن إن شاء الله أن نطبق ما سنسمعه في هذه الخطبة. وهذا المرض يتعلق بقسوة القلب. Donc c'est la maladie du cœur qui concerne la dureté. Être dur, avoir un cœur dur. أن يكون الإنسان قلبه قاسي. وهذا الأمر حذر منه الله عز وجل في القرآن الكريم، وحذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا المرض تاع القسوة ديال القلوب أيها الإخوة، يعني مرض حذر منه الله عز وجل. C'est une maladie dans laquelle, pour laquelle ou de laquelle le prophète alayhi salatu wasalam nous a dit faites attention à cette maladie. Il demandait sallallahu alayhi wa sallam protection auprès d'Allah azza wa jalla contre cette maladie dans plusieurs hadiths et dans ses doigts alayhi salatu wasalam, et dans plusieurs versets dans le Coran al-Karim. Allah azza wa jalla nous le rappelle, nous dit faites attention à cette maladie qui est la maladie de al-qaswa. Al-qaswa ayyuha al-ikhwa maradun qalbi idha asab al-qalb يصبح القلب لا يقبل حقا ولا يرحم احدا والعياذ بالله. القلب لما تصيبه القسوه ما كيبقى عارف شنو هو الحق، وما كيبقاش يرحم الناس. لو كور كي اتان بار سات مالادي كي لا مالادي دو لا دورتي اتر دور، اي بيان لا بيرسون كي ا سو كور لا اي ديفيان انجوست اي ال طوم دون لانجوستيس. Il n'accepte pas la vérité, il n'accepte plus la réalité des choses, et en plus de tout ça, il n'est plus miséricordieux envers les gens et envers les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il y a toujours un al-dhulm, et il y a toujours un al-qaswa, al-ulf. Parmi les conséquences de al-qaswa, la dureté du cœur, parmi les conséquences de al-qaswa, l'injustice et la violence. La personne, quand elle a un cœur dur, elle devient violente. C'est parmi les comportements les plus mauvais que peut avoir une personne, bien
qu'un cœur ou par laquelle un cœur peut être atteint. Car Allah subhanahu wa ta'ala fi sab'a mawadi' fi al-Qur'an al-Karim. Il y a dans sept endroits dans le Qur'an al-Karim dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala parle de cette qaswa et de le mettre en garde, il nous dit faites attention à al-qalb thumma qasat qulubuhum fa hiya kal-hijarati aw ashad qaswa. Il y a des cœurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sourate al-Baqara, et leurs cœurs sont devenus durs et même plus durs que les pierres. Et subhanallah, hajar, qad yusbih al-hajar artab wa alyan min qalbi hadha al-insan. Ça peut être une pierre peut être moins dure que le cœur de la. Fawilun lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah. Malheur à ceux qui ont les cœurs durs envers le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala alayhim al-amal faqasat qulubuhum. Et d'un intérêt, il faut faire très attention, il faut éveiller son cœur et faire attention à son cœur pour ne pas être atteint par cette maladie. Et la dernière chose, ou la dernière chose, c'est le mot ou le mot Allah Azza wa Jal. Et d'un intérêt, fahawil, tarjih Allah Azza wa Jal, fahawil, tataladdad bil ibada, fahawil, tqarrab Allah subhanahu wa ta'ala, fahawil, ta'ashar al-fuqara, ta'ashar المساكين وتزور المرضى في المستشفيات وتصلي على الجنائز كي يلين قلبك وكي يطمئن قلبك. Donc quand on a ou quand on ressent qu'on a un cœur dur, eh bien il faut bien sûr la seule solution ou la première solution primordiale, c'est de se rapprocher d'Allah Azza wa Jalla et de lui demander d'adoucir son cœur et de ne pas avoir un cœur dur, de se rapprocher des pauvres, de se rapprocher des malades, de rendre visite aux malades, de faire le janaza quand il y a un désir. D'ailleurs aujourd'hui, nous allons faire le janaza sur un jeune, subhanallah, un jeune en 1979. Un échappe, rahimahullah, un jeune de 1979, comme quel âge on a? Nous le dépassons de 11 ans, de 20 ans, de 10 ans, de 15 ans. Et le problème, c'est qu'on ne fait pas attention, on pense qu'on va vivre l'éternité. Il s'agit donc qu'à Annahu, ça y arrive, il a l'abel. Combien de personnes parmi nous qui sont plus âgées que ce jeune? Qu'Allah Azza wa Jalla fasse miséricorde et qu'il fasse partie des gens du paradis et qu'Allah Azza wa Jalla donne à sa famille de la patience. Même il y a une personne, ce sont des moments qui peuvent ou qui doivent nous pousser à adoucir son cœur. Un enfant de 3 mois, un jeune de 20 ans, une jeune de 17 ans, une maman qui a laissé des enfants derrière elle, un papa qui... Et ces choses-là, ça doit nous pousser à réfléchir un petit peu, à demander à son nefs des comptes. Les amis, un nefs, il a aïn à tasser, où est-ce que tu vas, qu'est-ce que tu comptes faire, qu'est-ce que tu comptes présenter auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. ماذا ستقول الله سبحانه وتعالى لا تجري وراء الدنيا هكذا وتنسى الموت فلا بد من لقاء الله عز وجل. Donc ce sont des moments qui doivent nous pousser à réfléchir un petit peu à l'amour يعني تدفعنا لنفكر ولنحاول ونسأل الله عز وجل أن يرزق أو أن يجعل في قلوبنا الرحمة. إذا قلنا بأن قسوة القلب هي خلق الأشقياء. C'est l'éthique. Le qaswa, c'est l'éthique et le comportement des malheureux. Parce que jamais, jamais tu trouves un homme ou une femme heureux ou heureuse qui a un cœur dur. L'intégrit, ibhatu, l'intégrit wahad insan li huwa aish sa'ada al-dunyawiyya wa inshallah sa'ada al-okhra wa yafil akhira la tajidu insanan sa'idan wa lahu qalbun qasi. Kullama wajadta sa'ada illa wa wajadta qalban rahiman. À chaque fois que tu trouves une personne heureuse, eh bien sûrement tu dois avoir ou tu dois trouver que son cœur est là, un cœur doux et non pas un cœur qui est dur. وَهَكَذَا كَانَ النَّبِيَ عَلَيْهِ صَلَاتُ وَسَلَامُ. C'est comme ça qu'il était le prophète عَلَيْهِ صَلَاتُ وَسَلَامُ. كَانَ رَحِيمًا بِأُمَّتِهِ عَلَيْهِ صَلَاتُ وَسَلَامُ. كَانَ رَحِيمًا بِالْحَيَوَانِ. كَانَ رَحِيمًا حَتَّى بِالنَّبَاتَاتِ وَبِالْ même pour l'environnement, même pour vis-à-vis de l'environnement, il a fait cette miséricorde. صلى الله عليه وسلم ولذلك قال فيه رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة
للعالمين. Et c'est pourquoi Allah Azza wa Jal lui a dit, nous t'avons envoyé une miséricorde pour l'univers. La tumza'u wa la tumza'u rahmatu illa min shaqi. Ar-rahma tu'khadh min qalb shaqi. Le malheureux, celui qui vit le malheur, et celui qui se donne le malheur, et bien celui-là, la miséricorde a été retirée de son cœur. Fala tajidu ahadan la yarhamu kabiran wala saghiran wala imra'atan wala hayawanan wala maridan illa wa innahu aw illa wa annahu yu'ani min ash-shaqa. Quand tu trouves quelqu'un qui n'a de la miséricorde ni envers les enfants, ni envers sa femme, ni envers ses parents, ni envers les malades, ni envers les animaux, ni envers, eh bien sache bien que cette personne, elle est triste, elle est malheureuse. Et quand je parle du malheur, c'est le malheur du cœur. Ce n'est pas la pauvreté. Parce que la pauvreté, ce n'est pas un malheur. La pauvreté peut être un bonheur. Il y avait combien de compagnons, combien de prédécesseurs, combien de gens aujourd'hui qui sont pauvres. Mais subhanallah, c'est comme c'est la richesse du monde. Parce que la richesse, c'est la richesse du cœur. C'est la richesse de l'iman. السعادة والغنى هو غنى القلب والغنى بالإيمان وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله عز وجل من القسوة donc le prophète عليه الصلاة والسلام il demandait la protection auprès d'Allah عز وجل contre القسوة وكان أبعد الناس عن القسوة c'est celui qui avait le cœur le plus doux صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم donc le seul qui a pu donner le droit ou bien qui a pu récompenser le prophète عليه الصلاة والسلام Allah عز وجل. Il lui a dit, et certes, tu es sur une bonne éthique. Wa innaka la'ala khuluqin 'adhim. Idhan hadha al-marad ayyuha al-ikhwa yajib an yuharab fi al-qulub. Cette maladie, on doit la combattre. On doit la combattre dans nos cœurs, dans les cœurs de nos enfants, dans nos familles, entre nous, entre frères, entre sœurs, dans la mosquée. Il faut absolument combattre cette maladie qui a al-qaswa. Yaqul Jalil ibn Abdillah, ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه يوما منذ أن أسلمت ولا رآني يوما إلا ابتسم هذا صحابي من الصحابة يقول منذ أسلمت ما حجبني النبي عليه الصلاة والسلام عنه c'est un صحابي qui dit depuis que je me suis converti à l'islam jamais je suis venu une fois voir le prophète عليه الصلاة والسلام il m'a empêché de rentrer pour le voir et à chaque fois quand il me voit il fait un sourire هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام هذه هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. Donc la sunna du prophète Ali Sallam c'est quoi? C'est la miséricorde et c'est le sourire. L'ibtisama. Kullama ra'a shakhsan illa wabtasama fi wajhihi sallallahu alayhi wa sallam. Quand il voit ses frères, quand il voit ses compagnons, quand il voit ses femmes, quand il voit ses enfants, eh bien toujours le sourire alayhi sallatu wa sallam. Et nous devons hériter cet héritage, nous devons avoir cet héritage. يخذ هذا الارت الذي تركه النبي عليه الصلاه والسلام وقال وتبسمك في وجه اخيك صدقه que le fait de faire un sourire à ton frère c'est une sadaqa. Donc j'aimerais bien inchallah que nos frères entre nous les sœurs entre elles que quand on se voit ici à la mosquée ou quand on se voit à l'extérieur de la mosquée subhanallah un sourire tu vois ce que je dis à la parce que peut-être que ton frère il a besoin de ce sourire ربما الاخ ديالك محتاج هذا الابتسام ربما الاخ ديالك عنده مشاكل في البيت ويحتاج منك حنان ويحتاج منك حب ربما عنده مشاكل في العمل peut-être qu'il a des problèmes à la maison peut-être qu'il a des problèmes au travail et peut-être qu'il souffre à l'intérieur peut-être qu'il ressent une baisse de foi et il a besoin de toi donc quand il te voit ou quand il vient te voir subhanallah sois souriant envers lui et ne le rejette pas et ne fais pas comme quelques-uns qui vont dire ana ataqarrabu ila Allah bi bughdina là et tu te dis eh bien je me rapproche d'Allah azza wa jal en te détestant subhanallah non ce frère qui peut-être il a un problème il a fait des péchés mais il a besoin de toi essaye de le sauver hawl bach naqdo hawl bach tkharjo hawl bach tkhliyeh yahass bima tash'ur bi ant essaye de le faire ressentir cette ou ce bonheur que toi tu ressens. Donc essaye de partager ton sourire et donne ton sourire à celui qui en a besoin. Tasaddaq ibtisamatik. Hadi sadaqa comme a dit le Nabi alayhi salatu wa salam, لان الذي يحتاج هذه الابتسامه هو كل من جاءت هذه الابتسامه خاصه اذا كانت الابتسامه من القلب. Et surtout quand le sourire sort du cœur et parce que tu veux le bien pour ton frère. إذن النبي عليه الصلاة والسلام هكذا كان وهكذا قال في أصحابه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي بعض الأحيان أيها الإخوة نقصوا على بعض نجد غير سلم.
كتلقى بعض الناس يقسو على الناس بدون سبب. On trouve des fois des personnes qui détestent d'autres personnes sans aucune sabab, sans aucune preuve, sans aucune bidoul sabab la kada. Pourquoi il le déteste? Ouyaqsou alay. Et il est très dur envers lui. Sans qu'il lui. Même s'il ne lui a rien fait, il est dur contre lui. لماذا الله اعلم اذا حاولوا ايها الاخوه ان نحارب هذا ان نحارب هذا الدين هذا الداء فكم من انسان نقسو عليه وكان اولى بنا او اولى بنا بالرحمه عليه دي فوا اون اي دور افيك دي بيرسون اي بورتون لو الى بيزوان دان بو دو ميزيريكورد دو نوتر بار وهذا الشيء كان نعيشوا مع الشباب يساو لو في دي فوا افيك لي جون Avec les jeunes, ils ont besoin des fois d'une miséricorde. Ils ont besoin que tu les prennes dans tes bras au lieu de le rejeter, au lieu de le condamner, au lieu de dire, eh bien, toi, taïe, c'est... Internet, t'as compris, chez Allah, Azza wa Jal, vous le dites. Toi, tu ne décides de rien. C'est Allah, Azza wa Jal, qui décide. Et c'est Allah, Azza wa Jal, qui récompense. Nous devons faire le nécessaire pour faire revenir ce jeune et pour faire apaiser le cœur de ce jeune grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Al-qaswa mudammira. Al-qaswa tudammir, elle détruit. Cette dureté de cœur, elle détruit la personne, elle détruit même al-mujtama et la société. Wa al-qaswa tu'aqbah indama takoun ittijaha. Quand est-ce que cette qaswa elle est encore pire, elle est encore plus dure, c'est quand la qaswa est faite envers ceux envers qui Allah Azza wa Jalla nous a dit d'être miséricordieux. La qaswa est peut-être qu'on qabiha akta, lama katkun qasi wa taqsu ala insan amarak Allah Azza wa Jalla bi rahmati tujah. Madalan, la atfal sira. Madalan, zawja dir. Madalan, zawju. Madalan, walidey. مثلا الفقير مثلا السائل دونك سي جون لا سي بيرسون لا الله عز وجل nous a demandé d'être encore plus miséricordieux envers eux par exemple le malade par exemple les enfants être miséricordieux envers les autres par exemple envers sa femme comme a dit le Nabi عليه الصلاة والسلام par exemple envers son mari par exemple envers ses parents il a j'adresse la parole aux jeunes qui sont là Comment se fait-il que tu n'es pas miséricordieux envers tes parents? Comment se fait-il que tu vois ton père souffrir et tu ne réagis pas? Comment se fait-il que tu vois que ton père n'a pas d'argent, n'a pas les moyens, et toi tu essayes de tout faire pour lui faire payer je ne sais pas combien, je ne sais pas quoi? Pourquoi tu n'as pas de miséricorde dans ton cœur quand tu vois ta maman souffrir à la maison? Oh, elle est couverte de minage, elle n'arrive pas à s'en sortir, et toi, tu restes et tu passes le temps dans ton téléphone, ou tu passes le temps devant ton ordinateur, ou tu passes le temps à l'extérieur avec tes amis. Comment se fait-il que tu n'as pas de miséricorde? Qui te couche comme Rahma? Ou tu as toujours l'abdir qui est mort, ou tu as la oumou qui est mort, ou tu as l'ibn qui est mort, ou tu as l'aba man la yarham. Il y a parmi les parents qui n'est pas du tout miséricordieux envers ses enfants. Il y a des enfants, subhanallah, on a rencontré des enfants qui disent j'espère que. Malheureusement, normalement, on ne doit pas le dire, mais malheureusement, il y a des enfants qui espèrent que leurs parents partent. Qui partent? Je préfère ne pas voir mon père. Parce qu'il est tellement dur, je préfère pas ne pas le voir. Je préfère ne pas le voir. Je préfère même pas lui rendre visite. Ou bien, Azwaj, même Ida Kharajam al Bayt. تنهال عليه الزوجة بالسب وبالشتم لأنه يعني في et parmi les maris aussi il est très dur avec sa femme il est plus dur que les pierres envers sa femme envers ses enfants quand il sort il y a des femmes qui espèrent et il est pareil aussi il y a des femmes qui sont très méchantes avec leur mari elles sont très méchantes il y a le mari musqué il espère que le décès de sa femme pas une fois mais mille fois et pareil إذن لماذا هؤلاء الناس لابد أن نرحمهم أن يرحم الإنسان زوجته لأن مخلوق ضعيف جعلت الله عز وجل أعطاك سلطة عليها يجب أن ترحمها كذلك الأطفال بالنسبة لوالديهم même les enfants pour leurs parents les jeunes pareil tu as grandi الحمد لله tu as l'argent الحمد لله tu as les moyens الحمد لله et bien c'est le moment de prendre tes parents en charge c'est le moment de dire à ton père repose-toi je travaille pour toi repose-toi je vais t'aider Il est temps de dire à ta maman, repose-toi, je vais t'aider. Il est temps de dire à ta maman, tu fais pas de ménage, je vais le faire. Bougez un petit peu, les jeunes, t'as le couche, subhanallah. Tu vas passer ton temps au téléphone, tu vas passer ton temps devant l'ordinateur, tu vas passer ton temps avec les copains.
Tu vas passer ton temps avec les copines. Bouge un peu, réfléchis un petit peu, parce qu'un jour tu vas le perdre ou tu vas partir toi-même. Et je m'adore, etc. Moi, c'est Yadra Babou, quoi, t'as d'abord, mais je vais le prendre. Il faut qu'on bouge, il faut qu'on sorte de cette dureté du cœur. Et le problème, des fois, il y a des bâtes de chabab, ou la hâte de bâtes de l'abba, tu le cas. Il y a des gens qui ont dit, il y a des gens qui ont dit, il y a des gens qui ont dit, من الآباء من يرى ولدك يتقطع يتقطع قلبه ولا يرحمه والعياذ بالله. Il y a des parents qui voient leurs enfants souffrir et pour lui ça ne lui fait rien. Et tout ce qu'il cherche, c'est son intérêt personnel. Et pareil pour les filles. Et pareil pour les enfants. Il chauffe l'abdé le tchatou, il chauffe l'homme de l'homme, كذلك الاب الاباء سبحان الله. من الناس كذلك للمرضى وللحيوانات والخادم. C'est quelqu'un, une personne qui travaille chez elle. Regardez ce qui se passe aujourd'hui, toutes les histoires qu'on entend envers les personnes qui travaillent dans les maisons chez quelqu'un. Et ils sont contents de le faire. Il y a le Furhan. Il y a le Khadim. Oui, le Khadim, il y a subhanallah. Depuis quand vous avez rendu les gens esclaves alors qu'ils sont libres? Si tu as quelqu'un qui travaille chez toi, qui travaille dans ta société, alhamdulillah, on a des exemples magnifiques ici dans cette mosquée. Et ils sont avec nous, des exemples magnifiques, alhamdulillah, c'est comme ça qu'il faut qu'on soit. Et je les encourage, ces jeunes. Je les ai vus, alhamdulillah, personnellement, qui sont. Je ne sais pas s'ils sont présents aujourd'hui, je me permets de les dire. Wallah al-Adim, c'est un bonheur quand tu les vois travailler ensemble. Et je vous l'ai dit il y a plusieurs vendredis, je le répète. Wallah al-Adim, tu ne fais pas la différence entre le responsable et l'employé. Pas de différence. Rahma, le khouwa, le hub, le hanan, la tendresse, l'amour en Allah Azza wa Jal, la fraternité, la douceur. C'est comme ça qu'il faut être. هكذا يقول الإنسان أن يحارب أيها الإخوة هذا المرض القسوة كي يتقرب من الله سبحانه وتعالى. وقلنا قال خاب عبد وخسر لم يجعل الله في قلبه الرحمة. لما عندوش الرحمة في قلبه فقد خاب وخسر. Il est perdu, il est perdant, il est dans la perte totale, il est dans la perdition totale. Perdition totale qui? Ben celui qui n'a pas de miséricorde dans le cœur. لما عندوش الرحمة في قلبه هذا الأمر صعب أيها الإخوة. إذا ابتداء من الآن à partir de maintenant faut qu'on se on se réveille un peu et on dit bon je me pose la question, va poser la question à ta femme, est-ce que je suis très dur avec toi? Va poser la question à ton mari et dis-lui s'il te plaît est-ce que je suis dur envers toi? Pose la question à tes enfants, est-ce que je suis dur envers vous? Mais attention, il y a dureté et il y a la différence entre dur. Et la différence entre dur et sévère est entre strict. La naqifa bil qaswa ou bil an al-insan yurid bi shiqat al-umur. Ce n'est pas le fait que je sois strict, ça veut dire que je suis sévère, mais il ne faut pas avoir le cœur dur. Et bien pose la question aussi à tes élèves. Sal talaba diawlak, va poser la question à ton père. Goul bako jana wa jana qabih ma'ak. Wa jana qadir qasih min jiwtak. Est-ce que j'ai un cœur dur envers toi? Pose la question à ta maman aussi. Il va voir, bien sûr, les parents sont toujours doux, ils ne vont jamais dire à leurs enfants que tu as un cœur dur envers moi. Mais si ton père ou ta mère arrive à un point où il te dit tu as un cœur dur envers moi, et bien là, tu as signé ta mort. La mort du cœur, hein, je ne parle pas de la mort du corps. Il a aussi l'ab dialek ou l'om dialek ou qalek an alani ken jkoum an qaswa dialek, c'est un mouchkil. Il faut revoir sa façon de se comporter avec ses parents et ne jamais arriver à ce point. Il faut que le jour où tu rentres à la maison de ton père est content. Il faut que le jour où tu rentres chez toi, tes parents sont contents. Le mettre le bait dialek, le mettre le bait, ou le calab dialek frahbik, ou l'homme dialek frahatbik. فافرح واعلم انك على صواب وطلب الله سبحانه وتعالى ان يثبتك. اللهم ثبتنا وثبت اخواننا واجعلنا من الذين يبتعدون عن القسوه واجعلنا من الذين قذفت في قلوبهم الرحمه. وقل ما تسمعون واستغفروا الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله
آله وصحبه وسلم تسليما. دخل رجل أيها الإخوة على هارون الرشيد رحمه الله فقال له: سأقدم لك نصيحة، ولكن نصيحة فيها شدة، فاستعد واصبر. Quelqu'un qui a rentré voir Harun Rashid, un ancien Harun Rashid, il est rentré, il lui dit: je vais te donner un conseil, mais prépare-toi, c'est un conseil qui est très dur. Alors, aie de la patience et prépare-toi à m'écouter. Subhanallah, faqala lahu Harun Rashid, rahimahullah, qala lahu ya hada. Il a arrêté avant qu'il lui dise même le conseil. Qala lahu ya hada, laqad ba'at Allah man huwa khayrun minka ila man ana khayrun minhu. فقال له سبحانه وتعالى: فقولا له قولا لينا. قالوا: الله عز وجل بعث من هو خير منه، موسى عليه السلام، وبعثه الى من هو انا خير منه، الى فرعون. فقال له سبحانه وتعالى لموسى: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. ميم اوليفو فرعون، الله عز وجل كنت لا اوفي موسى et Harun, il lui dit: allez voir Pharaon et dites-lui des paroles douces. Harun Rashid dit à ce monsieur: Allah Azza wa Jalla a envoyé une personne mieux que toi qui est Moussa, à une personne dont je suis mieux qu'elle qui est Pharaon, et il lui a dit: dites-lui des paroles douces. قول له قول لينا اللهم اجعلنا من الذين يسمعون فيعملون ويعملون فيخلصون العمل لله. الله عز وجل ان يرحم جميع اموات المسلمين، وان يرحم هذا الشاب رحمه واسعه، وان يرزق اهله الصبر والسلوان. الله عز وجل ان يشفي كل مريض يعني في الوان، يفتح على اخواننا اللي عندهم مشاكل، الله سبحانه وتعالى ان يجعل لهم حلا ان شاء الله، وان يرحمنا وإياكم، وأن يجعلنا من المهتدين. إي جانسي سوسي سور لو سوسول، فوي لافير ني با انكور فيني، إيسيي الله يجازيكم خير، دوني سوفي كي لي مويان، كي لي سي دو دون إن شاء الله، كي لي سي ديدي بور لا كونستركسيون، بور كون بويس، بور كو فو فرير إي فو سور بويس فير لا بريير دون لي ميم كونديسيون إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. عملنا سوء ما ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.